Yo les gars, c'est nous, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Danmachi Battle Chronicle. Aujourd'hui, il y a la bêta de Wuthering Waves qui est sortie, la bêta numéro 2. Malheureusement, je n'ai pas été pris. Je suis un peu triste, mais bon, c'est pas grave. On va attendre que le jeu sorte finalement. Mais du coup, aujourd'hui, pour se réconforter, les gars, on a l'anniversaire de moitié, enfin le demi-anniversaire de Danmachi. Et les gars, il y a un milliard de trucs. Je vous promets, quand j'ai lancé le jeu, les gars, il y a un bonus de connexion déjà. Avec 3000 Selas, avec 20 tickets d'invocation. Il y a ensuite 10 vœux gratuits tous les jours. Il y a un deuxième bonus avec un ticket. Enfin, il y a 40 000 trucs. Regardez, il y a des gachas partout. Il y a plein de trucs partout. Ici, vous avez Estia gratuite avec des défis. Donc, ça me rappelle les missions de beginner au début du jeu. Donc, vous avez chaque jour des trucs pour avoir des bons. Donc, j'espère que ça sera pas trop galère. Vous avez du coup des nouvelles missions. Avec l'event numéro 2, donc Festive Night Blossom. Vous avez l'anniversaire 05 en faisant des missions pour avoir des tickets. Je vais vous montrer après à quoi ils servent. Et quand vous allez du coup dans Échange, les gars, voilà à quoi servent les tickets 05. C'est pour acheter des scène cards, des petites scène cards avec des graphismes stylés de manga un petit peu. Du coup, là, c'est le festival, les gars. J'ai déjà acheté quelques trucs comme vous pouvez voir en bas. Mais du coup, voilà le festival. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc, ça, c'était l'ancien. Donc le gacha, voilà le premier. Donc ça c'est un rerun des trucs d'été. Donc c'est la première partie des skins d'été, il y en aura d'autres je pense. Donc voilà, ici c'est les deux nouveaux persos. Donc Belle et Chigusa. Ça on s'en fiche, il n'y a rien. Dans le shop, vous avez plein de nouveaux packs ici qui sont très rentables. Et c'est super pour une fois puisque les anciens packs étaient pas ouf. Et d'ailleurs ils ont tous été retravaillés. Avant par exemple celui à 100 balles c'était juste 8000 je crois. Il n'y avait pas 4000 gratuits. Enfin bref, ils ont été retravaillés. Et donc il y a des nouveaux packs. Vous avez un pack pour avoir des bonds de Chigusa, des bonds de Belle mais c'est pas très rentable je trouve. Vous avez 10 tickets moins chers à 2500 au lieu de 2800. Pareil pour l'anniversaire d'été. Ici un gros pack mais qui vaut pas trop le coup. Ici pour 500 gemmes vous avez un UR garanti. Pareil ici mais en aventurier et assist. Et pour 10 000 vous avez un ticket alpha anniversaire et 5 UR, 20 tickets. Très bon pack. Donc on va prendre tout ça aujourd'hui. Je vous montre aussi du coup les bannières. Donc la première bannière c'est celle-là. Et en gros vous avez 10 tickets tous les jours et 50 tickets au total. Donc c'est super cool. C'est super cool. Je regarde un peu ce qu'on peut avoir, mais je crois qu'on peut avoir à peu près tout dans le jeu. Je crois. Vous pouvez avoir à peu près tout, je crois. Du coup, ici, c'est la nouvelle bannière, les gars, avec Chigusa et Belle. Ça, c'est UR garantie de la bannière, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et donc, voilà la première volume, volume 1. Donc, vous avez les 4 skins d'été. Et les autres avec Eyes, etc., ça sera pour plus tard. Et je crois que c'est tout. Ici on a l'event aussi, du coup je vous ai pas trop montré, il y a les histoires qui sont là, boss battle comme d'habitude, donc c'est très sympa, très sympa. Donc c'est parti, je crois qu'on a assez parlé, et donc dans cette vidéo on va invoquer plein de trucs, on va acheter plein de trucs. Donc moi les gars pour l'instant j'ai pris le pack à 150 balles, parce que c'est le plus rentable, j'ai fait des petits calculs, parmi tous les packs qui sont là et tous les packs qui sont là, le plus rentable c'est celui-là, à 150 balles, c'est le plus cher vous allez me dire mais c'est le plus rentable. Donc voilà, j'ai décidé de me le prendre. Et puis les autres packs, on verra plus tard. On réfléchira. Du coup, c'est parti. Premièrement, on va se prendre celui-là. Un UR garanti pour 500 balles, les gars. C'est parti. Pareil pour le deuxième. 500 balles, un UR. Tout ça, on va pas se les prendre. On va prendre celui à 10 000 aussi, vous inquiétez pas. Mais je regarde juste, hop, tous les autres packs. Ça, c'est pas trop rentable. Là, on a des persos, les gars. Ça m'intéresse pas trop. J'en avais acheté à l'époque. Au début du jeu. Et là des bondes, ouais, pas intéressant. Du coup c'est parti pour acheter ça. Hop, magnifique. Le pack à 10 000 il coûte cher frère. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hop, on a fait des petites missions d'ailleurs. C'est sympa. Et donc c'est parti, on va d'abord aller dans échange. On va déjà les gars se prendre une carte de chaque. Donc en gros vous avez des missions, je vous les ai déjà montrées. Mais vous allez dans 05 et vous faites plein de missions, voilà. Pour avoir des tickets 05. Et avec ces tickets 05, vous avez des cartes. Donc je vais les prendre déjà une de chaque, juste pour le style. Hop. Donc voilà la première, très stylée, The First Gift. On va prendre la deuxième, Fleeting Alliance. Donc ça les gars, c'est des cartes par les mangaka, etc. Elles sont très jolies.
On va se prendre la troisième. Sweet moment. Elles sont trop trop cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Et familial lead by goddess, je sais pas quoi, of the beauty. Oh! Très stylé avec d'autres personnages. J'adore. Ok, du coup festival, je prendrai toutes les récompenses en temps voulu. Je crois qu'on a aussi... Ouais, ici. Ici, on a un ticket garanti, les gars. Je peux choisir le perso que je veux. Donc, on va se le faire en fin de vidéo. Donc, ça, c'était le pack à 10 000 balles. Et donc, c'est parti, les gars, pour cette petite vidéo. On a débloqué plein de trucs. On va commencer par les tickets de la perma. C'est parti. Faut que j'arrête de parler, puisque je parle beaucoup. Donc là, on a des tickets de la perma, avec l'event, avec le pass de combat. Il y a plein de tickets gratuits. On veut un maximum d'SSR et un UR si possible. Oh nice! Parfait. Elle, il me la faut parce que c'est la seule SSR que je n'ai pas niveau max. Je suis très content, très très content. Si on peut avoir des Héphaïstos, moi, ça me va. Ok, on continue. Allez, plein d'SSR s'il vous plaît. Ouais. Oh, trop bien. Trop trop content. Oh, nice, 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 nice. I'm telling you. Je sais pas qui c'est, les gars, c'est qui? Oh! Je l'ai ou pas? Nice, je l'avais pas. Oh, je suis trop content. La vidéo commence trop bien. Oh, purée, je l'avais pas. Déjà, j'étais trop content d'avoir Héphaïstos. Et en plus, on a un UR. Mais un deuxième UR. Oh! Cette vidéo va être une folie. Cette vidéo va être une folie. Oh! Bah, encore. Mais mec, c'est le festival. Oh, par contre, le texte est super long. Mec, c'est la vidéo de Asfi. Comment ça se passe? Ok. Tioné. Chigusa. Oh mec, je suis trop refait, vous imaginez même pas à quel point. Ok, on va commencer par les UR garantis. Et on va commencer par l'assist garantie. Non, vous savez quoi? Ça c'est quoi? Un UR? Pourquoi j'en ai 5? Ah ouais, c'est dans le pack. Dans le pack à 100 balles. Ok, on va commencer par l'assist garantie, les gars, c'est parti. Donc ça c'était à 500, 500 CELAS, les gars. Vous avez un UR assist garantie. Hop, c'est parti. Attention. Ah, j'arrive pas trop à savoir qui c'est. Ah, ok, ça va. Ok, ça va. Freya. Bon, je l'avais beaucoup, beaucoup pull à l'époque. Alors que je voulais le mec aussi. C'est un peu dommage. Ok. Oh merde, j'ai tout fait bugger. Bah oui, log c'est logique que je vais tout bugger, mec. Parce que j'avais déjà utilisé des tickets. Ok, deuxième ticket, c'est parti. Donc ça, les gars, c'est le même pack à 500, j'aime. Mais... un caractère cette fois. Donc pas un assist. Ok. Attends, mais c'est encore la meuf? Non. Ah non, oh j'ai eu peur. J'avais lu Dream et tout. Ok, Cassandra. À l'époque je l'avais pas, mais je l'ai eu il y a pas très longtemps. Mais c'est pas grave, c'est cool aussi. Hop, on va revenir en arrière parce que on avait vu le petit bug. On continue maintenant avec les 5 tickets garantis de UR. Et donc pour ce ticket les gars, c'était dans le pack à 10 000 gemmes. Donc c'est parti. On va skipper un peu, hop, les animations. Et c'est parti. Oh, la voix me dit rien. Ah, c'est peut-être une daronne. Ouais, c'était sûr. La voix me disait rien. Ok, Aïcha. Très bien, parce que je la joue un petit peu. Pourquoi pas. On continue. Moi les gars, je vous le dis direct, il me faut déjà des aventuriers, pas des assists. Je préfère 100 000% les aventuriers. Mais il me faut le Otarul. Frère, il me faut tellement Otarul. Oh non, assist, dommage. Où la meuf? Il me faut... Les Fia. Oh! Oh mec, je suis trop heureux. Merci le jeu. Oh, je vais passer la meilleure journée de ma vie. Les Fia, putain, je viens de le dire. Il me faut soit les Fia, soit Otarul. Oh, je suis trop content. En plus, il nous en reste 3 encore. Bon, allez, maintenant, Otarul. Bon, je le prononce un peu mal, son prénom, mais... Vous savez, c'est le gros shielder, les gars. Oh non, vas-y, je skip, les gars, parce que c'est... On s'en fout. C'était la meuf de la beauté, là. Oh, il y avait un texte bleu. Il y avait un texte bleu. Noir, noir, noir. Non, pas blanc. C'est encore... Asfi. Ah non, c'est encore elle. Ok, pourquoi pas Freya, pourquoi pas. Du coup, les gars, on a notre dernier ticket.
On n'aura peut-être pas Otarol malheureusement. En plus, il n'y a même pas d'animation. Le jeu, il s'en bat les couilles. Allez, fond noir. Oh, Lily. Bon, Lily, c'est pas dégueu. Ok. Oh, purée. Alors déjà, on récupère nos petites gemmes, voilà, pourquoi pas. Notre petite mission aussi. On a fait quoi comme mission? Draw 10 fois des gachas. Ok, sympa. Ok, on continue, les gars. On continue. Du coup, là, on va continuer ici. Donc ça, les gars, c'est la bannière de Belle et machin. D'ailleurs, celle-là, j'ai pas de ticket dessus et je vais pas invoquer, je pense. Parce que j'ai déjà elle, j'ai déjà Lily, j'ai déjà Estia, j'ai déjà Aruime. Il me manque juste Mikoto et je vais pas invoquer juste pour Mikoto. Donc celle-là, volume 1, j'invoquerai pas dessus. Mais du coup, là, on a 10 tickets qui sont dans l'événement, les gars. Donc c'est parti. Pour Belle et Chigusa, on a 10 tickets de l'événement. Hop, c'est parti. Donc là, pas de dur garanti en tout cas. On n'a pas d'animation. Après, on peut espérer. Aïe, 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 c'est chaud. Ouais, non, c'est mort. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, on continue. Et avec les 50 tickets par jour. Donc là, j'ai mes 10 premiers tickets. Donc c'est parti. Je sais même pas ce qu'on peut avoir, les gars. Je vous promets, je sais même pas. C'est des tickets gratuits, mais on peut avoir quoi? T'as le même nombre de probabilités d'avoir tout ça. T'es pas garanti d'avoir des UR, je crois. Mais c'est juste des tickets gratuits, mais... C'est quoi le but, genre? C'est quoi le but? Vous savez que je sais pas du tout. Est-ce que t'es garanti d'en avoir un, à la fin? J'en ai aucune idée, les gars. J'en ai aucune idée. Ça, c'est troisième volume, deuxième volume, premier volume. J'en ai aucune idée, les gars. Mais on va tester, pourquoi pas. C'est parti. Donc 10 tickets, alpha anniversaire. Il y en a tous les jours. C'est parti. Attention. Ok, Otarol, il nous... Oh nice, je suis trop content les gars. Il me la fallait. Je crois qu'il me faut encore une seule Hephaistos. Je suis pas sûr. Parce que là du coup j'en ai 9. Asphi, ok. Si regardez, c'est 3 à chaque fois donc ça fait 9. Donc il y en a peut-être une. Ok, bref, pourquoi pas. Attendez, ça a encore bugué. Ok, donc voilà, parfait. Quand vous avez tout invoqué, ça ressemble à ça. Ben, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Mais que c'était, je crois, la meilleure vidéo de toute ma chaîne. Mais c'est même pas une blague. Je vous remontre vite fait. Gacha History. Mec, attends, regardez-moi ces poules de fou. Bon, là, les deux derniers, malheureusement, on n'a pas eu de trucs de fou. Là, mec, on a eu que des masterclass. Regarde-moi tout ça. Oh lolo, des persos que j'avais pas, des UR... Encore des UR, enfin, laisse tomber, mec. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Pensez au code créateur NCU si vous jouez à des jeux Epic Games. Et puis, c'est tout. Un petit commentaire pour le référencement. Allez, ciao!